Nous avons eu du bon temps, mais ce n'est que partie remise. Il faut nous bon, nous tirer bon, encore. Bon, livre, ça ne va même lire. Nous pas même pas parler de livre là même. Go de ahead, on a pris 5 minutes là encore. Pourquoi ça me devine avec parce qu'il y a des chiffres là donne pour. Parce que Bayern ne va pas toujours dire. C'est Barcelone qui a toujours. Ah, ok. On va sortir là, n'est pas. Barcelone ne va pas toujours, ni Real. Ok. Et m'ba c'est pas Brésil qui a toujours, m'ba connaît, soit déjà là. Brésil. Ok, nous prenons la cartographie de l'industrie haïtienne de la musique, son livre que Haïti Musique, Association des professionnels de la musique, publié en 2017. Nice. Ok. Et moi, je fais partie de livre, Fabrice, tout d'ailleurs. Mais c'est des documents qui chiffrent, qui n'ont pas qu'être chiffres là-dedans, okay. Sont cartes liées pour le monde qui a besoin d'utiliser. Et m'inviter tout le monde à écrire Haïti Musique, demander une copie, ou bien livre ça, ou demander une copie de livre. On peut faire ça? Oui. Ok. Là, depuis l'intro, si vous voulez, dans l'intro, l'industrie haïtienne de la musique évolue dans un contexte politique instable où musique et politique sont de plus en plus imbriquées. Même si le budget accordé aux activités du ministère de la Culture limite grandement ses possibilités d'action structurelle, pas l'empile. C'est même pas qu'il y avait un budget. En dépit de ça, oui, un budget. Et budget a gagoté dans deux ou trois événements, punto. En dépit de ces circonstances, depuis plus de demi-siècle, Haïti fait preuve de vigueur et de créativité dans presque tous les domaines artistiques et culturels. Même si le compas reste la musique la mieux organisée sur le plan commercial, la tendance générale de la dernière décennie est plutôt à la diversification de la scène musicale haïtienne. Yeah. Ok, ça veut dire. Ça veut dire que dans la cartographie, ça, compas, c'est lui-même qui gagne plus vigueur vraiment, mais regardez, l'on. Regardez, si vous montrez, vous voyez ça. Vous voyez bien? Avancez. Ouais, chez moi, on a regardé comme ça. Malheureusement, on n'a pas de zoom caméra pour faire vraiment. Yeah, yeah. Mais là, qui ça le montre? Répartition par genre. Sans réponse, là, Bill. Haïtien, pas répondre. Sans réponse, sans réponse 17%. Compas, 14% de l'ensemble de la population des genres musicaux en Haïti. Alors, ça qui est important pour qu'on ait, yo catégoriser les gens, yo, et me d'accord avec yo. Mm-hmm. Compas, musique racine, musique traditionnelle, deux genres séparés, ok? Vodourara. Vodourara. Mm-hmm. Musique urbaine, rap, reggae, rabodaï, raga, électronique, rock, musique classique, jazz, musique évangélique et gospel, chanson, pop et variété, et yep. Troubadour. Donc, tout genre ça, yo, yo réparti sur la scène musicale haïtienne. Mm-hmm. D'Haïti net, et pas seulement en Port-au-Prince. Soit venu réaliser, musique urbaine là, représente 29%. Oh, wow. Ok. On parle de rap, reggae, rabodaï. Oui, il fait 29% de tranches de gâteau ça. Okay. Et compas fait 14%. 14% seulement. Ok. Donc c'est des chiffres que nous connaissons. Troubadour, bon, 2% pour Diab Malouria. Et puis gospel là, 13%. Tout de suite, des compas. Musique chrétienne, il y a des gens qui passent par le Shalom. Côté Troubadour, là, tu es encore là. Ok, Troubadour, tu es encore là. Donc, musique, il y a des gens qui ont l'église. Musique évangélique, 13%. Ok. Mackenson, Punaise, Mounza. Oui, prophète là. Prophète là. Ok. Mais yo. Parce que je ne compare. Bon, ouais, donc ça veut dire que compare, c'est un genre qui est capable le mieux structuré sur la scène, mais ce n'est pas le genre le plus écouté. Bon, malgré tout. J'aime pas ça. Oui, bon, les ça, justement, les chiffres sont là pour le prouver. C'est que la jeunesse, il faut voir ce qu'on écoute à travers le pays. Il faut qu'on qui ça a coûté. Donc 29%, c'est dans la musique urbaine que là les plus. Justement, qui c'est rap, reggae. Et, oui, électronique et toute l'autre chose. On reprend là encore. Yeah, musique urbaine, c'est rap, reggae, rabodaï, raga, électronique, rock. Ok. Mais rock, là, mais t'as un de moins. Oui, mais comme l'île en catégorie. Vous comprenez, les compiler. Yeah. Vous comprenez, les compiler. Yeah. Mais c'est à travers tout le territoire, ce n'est pas seulement dans la musique du département de l'Ouest seulement. Quand on y a un revenu, ça qui est intéressant, c'est que les professionnels de la musique, en général, ils répondent. Donc il y a des catégories ouais, d'effectifs de monde qui touchaient de 0 à 5 000 goudes, 320 monde qui touchaient ça seulement. C'est capable de chine, jazz, c'est capable de. Vous comprenez? Ouais. Des métiers de la musique. Yeah. Hein? De 5 000 à 50 000 gouttes, il y a quand même 909 personnes qui répondent que oui, ils ont touché ça. Oui, ce sont des importants, oui, ça. De 50 000 une goutte à 250 000 gouttes, il y a 1279 professionnels qui touchent comme ça. Oh, wow. Ok? Et il y a tout en US. Il y a des gens qui touchent entre 5 000 et 20 000 dollars pour l'année. Hein? Alors, c'est pour l'année. Il y a 26 qui touchent ça. Des jazz,
des propriétaires de jazz, etc. Entre 20 000 et 100 000, ou bien 4 jazz qui fait ça, qui fait 4 figures ça. Et plus de 100 000, ou bien 43, plus de 100 000 dollars. Oh, wow. Ok, donc les chiffres sont là. Non, gen... plus de 100 000 dollars, c'est... Il y a 4, excuse-moi, I'm sorry. Il y a 43, il y a en pile. Justement. Il y a riche, hein. Là. Ou bien 4. Plus de 100 000 dollars, il y a 4 jazz qui fait plus de 100 000 dollars chaque année. On fait un nombre, ok, on fait un nombre. Pendant la saison ça là, events... Alors, il y a un monde qui dit que le compas se porte mal, le compas dit c'est vrai que le compas n'est pas le plus écouté d'après le livre. Mm-hmm, d'après le livre. D'après la cartographie. Et ce sont des statistiques. Bon, c'est après des études qui ont été. Après, non, sur le terrain. Ouais. Il déploie des équipes sur le terrain, tout ça. Le livre est disponible, nous sommes capables de jeûner. Mais ce qui est important pour eux, c'est que quoi que le compas ne fasse pas, si tu veux, il n'est pas aussi écouté au point de vue écoute. Sur le territoire, mais c'est le cas porté plus comme. Tout à fait. Et on prend un petit exemple bien simple. Est-ce qu'on réalise ça? On prend, ou bien New Look, ou bien Class, ou bien Zinglin, ou bien Jakout, et peut-être un degré moindre, ou bien T-Vice et Vibe, Criolla, Vibe, Kai. Ok? Ça fait 8 jazz. Puis Goyo, on dit qu'il a touché 7000 dollars par gig, par soirée sous contrat avec Zagalo et les autres. Ok? Ok? On jazz avec New Look avec Class. On compte combien de soirées on fait pendant la saison ça? 40. On joue 40 fois dans le pays pendant tournée ça que vient faire là pendant pays à bon. On a pays à. C'est oh c'est, ça sont statistiques pour Port-au-Prince seulement. C'est pas statistiques, non, sont faits, oui, avéré. C'est-à-dire on joue au moins 40 fois, si c'est pas plus. 40 fois 7000 ça vaut combien? 280 000 dollars US. 288. Yeah. 280 000, c'est pour un groupe. On multiplie par 5. Dans la saison de juin à septembre, il y a 1 500 000 dollars US qui brassent dans le pays. Hein? Pas pour un jazz. Pour cinq, au moins 5 jazz. Pour moins 5 jazz. Pour le coup, avec l'ensemble de l'autre jazz, il faut environ 2 millions et demi, 3 millions de dollars qui brassent là. Waouh! Et tu sais ce qui se passe là maintenant, présentement, dans la market là? Est-ce qu'on connaît qu'on déferlement, par exemple, de certains musiciens qui sont appelés giggers? Il sortit dans le groupe et puis il a fait notre travail. Par exemple, il a le conduit truck et au lieu que. Donc, côté comme ça allait. Côté l'aller. Non, mais c'est vrai ce que tu dis là, man. C'est ben, oh mon Dieu, ça est tellement important que n'a pas obligé de retourner sur ça. Donc, ça n'a pas obligé de retourner sur ça. Important d'avoir les chiffres, vous comprenez? Ah oui. Comme qui brasse là. Et ce qui est intéressant, c'est parce que l'État lui-même n'a aucune structure du tout dans ce cas là. Ok? C'est que l'Opon Baltigouave, 15 août, qui fête, ok? À minuit, pas gain yon bac machin, pas un bac fritaille, pas un bac clairin de yon qui gain produit encore. Tout produit fini net, right. En balle là. Ah, tu as absolument raison. Donc, gon économie qui a circulé, gain l'argent qui a fait. Ok? Qui est-ce qui capitalise, qui structure, qui rationalise toute circulation? Côté tout comme ça, allez. Côté tout comme ça. Paradiser la pétrole. Allez, allez. Pas dans pétrole. Comme légal. Ça sont comme légal. Comme légal. Et il retourne là-bas. Il retourne là-bas, qui côté? Musicien qui n'est pas venu, vini. Ah, mais tout à fait. C'est des jazz importés, finalement. C'est même... haïtien importé. Non, mais tu sais. Et tu... pour qui ça? Parce que nous avons une structure pour nos frios, chita la caillou. Ouais, livre ça, on qui est en mode de Mlaki, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Mais ma bonne adresse est net, ok? Vous pouvez aller demander le nom à IT Music, ou bien nous allons à itmusic.com, le logo ça, pour voir comment l'écrit. Ok, un logo, il y a besoin de online, hein? Il y a pas besoin de livre, mais il y a besoin de IT Music online quand même. Okay. IT Music Online. Ok, Tira, laisse-moi te dire que Charlotte te fait dire thank you guys for the shout out. Evans, dit Tira que lui c'est un modèle pour moi, l'aime tap grandi. N'te qu'on apprend tout solo. N'te qu'on apprend tout. N'a qu'il faut grand monde, pas. N'te qu'on apprend tout solo, Lio, dans DP Express. Merci, Charlotte. Heureusement, quand je dis l'homme de jeune, DP, m'te qu'il bout de pantalon. Oui, oui. Parce que quelqu'un aussi, un petit gars. Avec un petit bout de canson. Oui. Ok. Voilà. Tira, il faut qu'on. Tu dois retourner très bientôt là. Bon, eh bien. Tu dois définitivement retourner très bientôt. Parce que rendez-vous à la fin du mois. Oui. Tu dois retourner très bientôt. Ok. Gabriel Baye pour dire avec plaisir. Vlad, nous allons obliger à checker plus équipement parce que le map de Tira m'a dit, mais il y a l'autre monde. Et il faut.
for nous checker pour extend. All right. La paix. So, oh my God. Demain on aura ce show Jackie Amboise. Jackie. Oui, Jackie sera notre invité demain si Dieu le veut. Ouais. Quoi? Jackie est extraordinaire. Hein? Attendez. 30 octobre. Oh, on est dans le programme même là? Non, c'est pas. Oh, même bon, mon partenaire là, Elie Champagne qui dit I have a Spanish version of Sucaina by Las Chicas del Can. SOS, senor. SOS, Lila a tout. Las Chicas del Can. Mais heureusement pour Tira, qu'on est avec publisher, moi, m'a touché. Je vais mettre Joël. Oui. Continuez à jouer sur YouTube, Tira a touché. Pas de problème du tout. Merci un peu, Elie Champagne. That's right. Et femme dit nous que Sucaina, son musique qui est très jouée, mais version française en Colombie. Extraordinaire. Banquia. Okay. Moi, je dis ça parce que son musique est utilisée dans les écoles pour faire apprendre le français. Jusqu'à présent. Oh, nice. Jusqu'à présent, même beaucoup de nos agalopes, même Barranquilla, Cartagena. Non. On connaît que nous avons pile succès de bois, m'abtenu. Bon, c'est pas Zagalo seulement, mais non. Avana guitare, net, Kamenon, tout, Bertoni. Pierre Cassé. Pierre Cassé. Au contraire, je me suppose une belle question. René Martin, octobre, fait que ça lui. René, bon, bagage, caméraman, bisous. Yeah. Yes. Est-ce que, question ça intéressant, est-ce que nous comptabiliser l'argent Nek Jazio fait en dehors tant que les Antilles avec États-Unis? Est-ce que nous comptabiliser non. Ça veut dire que il y a beaucoup plus d'argent qui a circulé dans. Voilà. Et dans le chiffre, ça, comme ce baou là, c'est ce chiffre pour Haïti seulement. Ça veut dire que gon l'autre million fait dehors encore. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Mettre Jazio. Les métiers de la musique ne sont pas structurés ici. Les droits d'auteur ne sont pas reconnus. Etc. Donc, ça profite. L'ignorance est toujours au détriment de celui qui. Ah, définitivement. Tu comprends? Le monde qui connaît, c'est lui-même qui a profité. Tout à fait. C'est comme ça. La grand loi pile de... l'argent qui a brassé dans la musique. Là. Et dans le moment que nous parlé, il y a un paquet de gigueurs qui décide de quitter Jazio. Il y a le conduit truck parce qu'ils ont estimé. Ce n'est pas qu'ils ont estimé. C'est un fait que. N'est-ce pas qu'à payer Bilio aux États-Unis? N'est-ce pas qu'à payer Bilio? N'est-ce pas obligé à conduire truck, vague sur musique? Et pendant ce temps, n'est-ce pas touché de façon décente pour continuer avec jazz là? Oui, ben, c'est parce que pas un contrat qui fait un contrat. Mais on a 10 contrats là même, des modèles de contrat. Pourquoi pas 25 modèles de contrat différents? Contrat de ça, de manager, de producteur, de impresario, de descendant. C'est non, des templates. Ce n'est pas informel que n'est-ce fait ici, tu même. Justement. Mais pas, et c'est d'abord, mais ici seulement. Mais non diaspora tout. Oui, tout à fait. Mais ma parle de Etchemaï là. Oui. Etchemaï là, que l'Haïti, que quel que soit côté de diaspora ou bien jazz haïtien. Oui. C'est des bagages informels qui toujours fait. Oui, c'est ça. Informel. Tira, je te remercie. Ok, dit Tira et Patrick Saint-Louis. Nous répertorier au moins 6 musiques DP Express que yo interprété en République Dominicaine. Est-ce que y a moyen pour monsieur yo ta récupérer royalties ça yo? Ma bonne expérience que je me fait. Après, pour me répondre à la question, il faut qu'on compte qui est-ce qui fait la musique là. Est-ce que c'est Timan Nokfel, allemand de Kati? Est-ce que c'est Timan Nokfel? Est-ce qu'il est enregistré sous nom Timan Nok? Est-ce qu'il est enregistré sous nom Papit? Parce que je ne sais pas pour qui tu jamais déclaré rien dans la musique. Là. Ok? Donc, il faut connaître qui est-ce qui fait la musique ça. Il faut me parler avec Papit. Je ne pour qui ça me dit ça. Et c'était en 92, rapidement. Première association nationale des auteurs-compositeurs haïtiens, Ansi des Roses, je me rappelle Ansi Yol des Roses, Lionel Benjamin, etc. Belle formation, nous fougueux. En 91, nous pas 92, parce que nous venons prendre d'état en 91, qui nous crasait mouvement. Crasait mouvement, je me rappelle de ce mouvement. Bon, Luis Guerra sorti avec musique compa originale de Nebouchan Baptiste. Belle musique, des fonds hit international. Nous-mêmes, Haïti, nous comptons alliés. Nous faisons une réclamation en tant qu'association haïtienne. That's nous réclamons, nous écrivons Wonus Guerra, qui baille producteur. Producteur répond nous, il dit nous reconnaître ça vraiment. Dans la prochaine édition, il a mis que c'est Nemo Jean-Baptiste qui fait. Oh, il n'y a pas de mettre là. Non, il a mis droit réservé. Là, il dit droit réservé, ça veut dire que il dit qu'on auteur, mais il n'y a pas de qui est lié. Okay? Et il était bien connu. Il était bien connu, mais c'est défait avec nous. Et il a dit, le producteur a dit, il est prêt pour le damniser et pour le bail, on royalise à hauteur musique, là, puisque il a utilisé sans permission. Tant pour le bloquer, il a dit, ok, on chauffe, ça pourrait être le premier déclare nous, vous comprenez, dans l'association. On a joué héritier, nous, Jean-Baptiste, nous dit, mais comment bail,
y a joué musique papa ou, et c'est nous même nous nous fait le temps de musique là. Donc nous besoin mandat qui dit que oui ou c'est héritier que nous ou mandaté nous pour aller chercher comme ça pour vous. Il dit non. Il va appeler. Puisque il pas faire confiance. Seigneur Jésus. Moi équipe mon débarquer sous les pas un paquet de bagages, il va pas ça dire un paquet de paroles. Par contre, si il vient plus aware, il vient plus de connaissance sur ça droit d'auteur, etc. Mais à l'époque, je trouvais que et jusqu'on y a encore que il encore puisque nous mourons décédés quoi dans l'époque ça. Yeah. Jusqu'on y a, il y a toujours protection, il est toujours valable. Donc s'il veut faire des marches là toujours pour papa, est-ce qu'on t'entend? Il doit aller dans le bureau droit d'auteur, il a peut dès le faire des marches ça. À l'époque, peut-être que le pat connaît, il y a 26 ans de cela. S'il a le fait, qu'on y a, il est toujours en vigueur, il est capable de récupérer droit d'auteur. Cap gaspillé dans le monde entier. Ok? C'est ordinaire. Tira, je te remercie. Et on aura tira très bientôt, mais vraiment très bientôt, à ce show, parce que nous avons grand pile paramètres que nous pas guettant prend avec tira, parce que bagaille est important. Et puis, je suis venu avec des chiffres vraiment très ronds, arrondis, carré. Côté grand pile musique, grand pile l'argent qui a brassé dans le business. Et puis, c'est mettre jazz seulement qui a fait l'argent et. Bah critiquer non. Non, mais écoute, il faut que les choses soient réparties de façon équitable. Oui. De façon équitable. Pas fait pour a toujours bien faussé. Mais faussé a pas obligé on bagaille comme ça, tu vois ce que je veux dire. Exact. On monde cap travail avant, il faut que le toucher de façon décente pour pas obliger Valsu Jazdan à à conduire truck ben. Gain l'argent pour payer Negio. Exemple Negio a on gigue toucher $150 seulement. Excepté Jacoud, j'avais reçu Timako qui c'est manager Jacoud number 1 qui dit moi ça que Giggle il touchait on va faire de $300 c'est ça $300 bon et gain de bagage des Giggle qui Giggle vraiment qui rete Giggle mais le ou grand jazz qui son corps jazz que lié okay, par exemple nous dans Zeclair ça me défait nous même qui était en société anonyme puisque Zeclair sont société anonyme donc okay. 30% pour nous OK. Le film paye Gigue à Tom Givin joue saxophone pour nous payer $150 pour Gigli. Yes. Ok, avec Trompettis la commande de hein? Ok. Reste jazz là, 70% réparti entre eux. Ok. Mais c'est quoi ça pour lier? Pour lier juste pour l'équitable. Définitivement. Vous comprenez? Définitivement. Ça peut se faire. Et Zeclair te fait. Oui. Et nous pas de gagner comme nous fait de l'autre côté. Nous pas de gagner l'autre côté. Modèle comme ça. Nous faisons conseil, nous faisons tout bon. Nous faisons conseil à tout le monde. Pas de gagner comme Pétro. Non, regardez, faut qu'on Pétro. Nous faisons 3500 moun, premier conseil flashback nous. 3500 moun. Peut-être que gagne moun qui te gagne comme Tic Pétro dans même. Tic Pétro. Mais force nous te fait conseil. Chouette. Et 8 mois de faire la première conseil. Ça m'a dit Fabrice pour oui. Il m'a dit tant de jours là pour je cap goumé. Mais moi, c'est vrai, c'est là. Et puis après ça, concert d'abord.